Bonjour les gars, ça va? Bonjour Kamel, comment tu vas? Salut Kamel, comment ça va? Hey Kamel, salut, ça va? Joli match hier. Ouais, alors moi je vais vous prendre 2 douzaines d'œufs. Par ici, mesdames, par ici, ouais. Les meilleurs soutiens-gorge du monde. Vos maris vont retomber amoureux de vous. Allez, approchez, mesdames. J'en ai de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Allez-y, il y en a pour tous les goûts. Hop, hop, les meilleurs soutiens-gorge du monde sont ici. Allez, comme Shakira. Allez, allez. Venez, mesdames. Angelina Jolie, quand elle est venue dans la région, elle m'en a acheté 2 cartons. Je vous jure que c'est une histoire vraie. Cristiano Ronaldo en a acheté aussi pour cette... Je l'ai peut-être en stock. Pardon, Kamal, je voudrais les mêmes, mais une autre couleur. Mon meilleur pote. Merci, mon Dieu. C'est bien toi ou bien je rêve? Arrête, descendre là. Mais je croyais qu'ils allaient te libérer la semaine prochaine. Quand est-ce que tu es rentré? Il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Tout le monde nous regarde. Attends, je vais mettre mes chaussures. Je t'attends ici. Ryan, tu restes là. Je reviens tout de suite. Passe-moi mes chaussures. Ok. Même Madonna est cliente chez nous. Approchez. Approchez, mesdames. C'est pas cher. Allez-y, c'est de la bonne marchandise. Mon pote. Achetez les meilleurs soutiens-gorge monde, mesdames. Toutes les couleurs, toutes les tailles, tous les bonnets. C'est pas cher, mesdames. Faites-vous plaisir. Allez-y, allez-y. Fouillez. Fouillez, fouillez. On a toute la journée. J'ai été soldat à Mardin. C'est vrai que c'était pas facile tous les jours. Mais c'était rien comparé à ta situation. Ta mère, ça va? Son état a empiré. Il y a des jours où elle ne me reconnaît même pas. Pourtant, elle est encore jeune. Oui. C'est vrai. Mais Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a envie d'oublier. Alors elle a oublié. Elle a tout oublié. Elle est chez mon frère maintenant. Ça ne plaît pas à sa femme, mais elle s'en occupe quand même. C'est tout, à ton tour maintenant. J'ai appris ce qui s'était passé en prison. Tu es resté longtemps à l'hôpital. Je vais bien maintenant, c'est tout ce qui compte. Oui, tu as raison, mon ami. Jamila, elle travaille dans ce café là-bas. Jamila! Arrête. Je suis vraiment désolé. Je savais pas. Attendez, attendez, Kamal a fermé les yeux. Non, j'ai pas fermé les yeux. Si, t'as fermé les yeux. Vous avez vu, il a fermé les yeux. T'as triché, Kamal. T'as fermé les yeux. Tais-toi. Ah, mais qu'est-ce qui te prend, Kamal? Oh, Kamal. Qu'est-ce que tu as? Tu es vraiment un idiot, Kamal. Je suis désolé. Viens, on va mettre de l'eau. Laisse-moi regarder, fais voir. Il ne me touche pas. Jamila. Jamila, allez, ne gâche pas tout. Oh, viens t'asseoir, on va continuer le jeu. Jamila, reviens, Jamila. Sérieux, mon pote. Je reviens tout de suite. Jamila! Bon, nous, on continue, les gars. C'est à qui? Ça va? Oui. Bienvenue. Il est sorti ce matin? Je sais. On marchait et on parlait, un peu. Ça y est, c'est fini. Oui, c'est fini. Tu as changé. Excusez-moi. Ah oui, c'est vrai. Allô? Mais toi, t'es toujours la même petite Jamila. Ok, c'est bon, j'arrive. Je peux être là dans 5 minutes.
D'accord, à tout de suite. Mon ami, je dois retourner travailler. D'accord, vas-y. Prends pas d'engagement ce soir, on sort ensemble, toi et moi. On en reparle, ouais. Pas question, on se voit ce soir. Je te dis qu'on en reparle, ok? À tout à l'heure. Je ne crois pas que ta mère te laissera sortir. Karim m'a invité pour dîner chez vous ce soir. Alors je verrai Ali demain. C'est pas grave. J'étais en route pour le golf pour voir ton frère. On y va ensemble? Non, c'est pas un endroit pour moi. Karim m'a dit que tu devais venir aussi. On peut l'attendre ensemble et discuter un peu. Je n'ai pas envie de rester toute seule au milieu de ces gens riches. Allez, s'il te plaît, Kamal. D'accord. Allons-y, on va prendre le bus juste là. Viens. Ça, c'est pas question. Kamal, ça va coûter cher. C'est mon problème, ça. Arrête, ne fais pas ça. Y a rien là-dedans. Tu as parlé à Kamal? Il veut rentrer dans l'armée. Mais tu disais que... Mais il dit qu'il veut être soldat à la frontière. Il a toujours voulu être un officier militaire. Il ne peut plus. C'est la seule et unique chose qui lui reste à faire. Oui, mais tu disais que... Si c'est vraiment ce qu'il veut, on ne doit pas l'en empêcher. Ne pleure pas, Sophia. Je t'ai dit de ne pas pleurer! Si vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas entrer. Je suis le frère de Karim Tekinoglu. Il travaille ici et moi aussi je suis déjà venu ici. Une minute, s'il vous plaît. Je vais téléphoner pour demander. Ok, va. Va appeler, pauvre imbécile. Ne dis pas ça. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires riches. C'est normal qu'ils ne nous laissent pas entrer comme ça. Regarde, le parcours est là-bas. Qu'il se dépêche, sinon moi je rentre quand même. Quoi? Tu veux quoi? Monsieur, pourquoi vous ne laissez pas nos membres rentrer? Pardon? Et nous on est quoi? Il peut attendre un peu. Vous pouvez attendre une minute. Kamal, attends. Ça va pas vous tuer. Tu l'as passé ton appel? Tu attends quoi pour le faire? Avance, espèce d'ordure. Je croyais que tu avais changé, mais non. Tu es toujours aussi idiot et grossier. Oui, c'est bien, je suis content pour toi. Alors c'est bon? On peut rentrer, oui ou non? T'as passé ton appel? C'est bon, mais j'ai besoin de vos cartes. Eh ben, je l'ai pas sur moi. J'ai passé 4 ans en prison. Pas besoin de carte là-bas. Désolé, je ne peux pas vous laisser rentrer sans. Voilà. Je pense qu'il peut attendre ici. Moi, je vais entrer. Si tu étais arrivé 2 minutes plus tard, il se serait battu. C'est pas de ma faute. Il se prend pour le patron ici. Il ne fait que son travail, c'est tout. C'est très dur d'être membre de ce club, tu sais. C'est normal qu'il soit strict. Ces pauvres petits bourgeois. Ça suffit, je suis mal à l'aise. Normal que tu te sentes mal dans cet environnement. Je me sens mal parce que ça me rappelle l'ancien temps. Ne recommencez pas à vous disputer, s'il vous plaît. Il me fait regretter de l'avoir ramené. Tu m'as forcé. Je te rappelle que moi, j'avais aucune envie de venir ici. Allez, c'est bon, venez, on y va. Allez. Ben voyons. Et ça? Qu'est-ce que je suis censé faire avec? En fait, ils veulent que je le mette où? Eh bien, mets-le dans ta poche. Fais pas ça ici! Pourquoi? De quoi t'as peur, Kadhi? Ne fais pas ce genre de blague ici. Tu t'en vas? Oui, je dois me préparer pour ce soir.
Ah, au fait, Nadia, Jamila. Enchantée. Et lui, c'est mon frère Kamal. J'avais deviné. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est les retrouvailles? Oui. Je suppose qu'Istanbul t'a manqué. Alors, tu vivais où? En Angleterre. Ah, super. Combien de temps tu restes ici? Pour toujours. Ah, c'est génial. Oui, c'est génial. Et tu dois être contente aussi. Alors vous allez tous venir ce soir? Oui. Nadia va fêter son anniversaire ce soir. Bien sûr qu'on viendra. N'est-ce pas, Karim? On n'a rien de prévu ce soir, en tout cas. D'accord. On verra. Je vous attends. À plus. À plus. Combien de fois vais-je devoir tomber sur cette fille à papa? Je te l'avais pas déjà présentée? Tu plaisantes. À chaque fois qu'on se voit, elle fait comme si elle ne m'avait jamais vue. Cette fille a le béguin pour toi. Ne sois pas stupide, Jamila. C'est juste une amie. Elle a quand même le béguin pour toi. Arrête de dire ça, s'il te plaît. Si elle n'était qu'une amie, elle ne serait pas aussi mielleuse. C'est clair que tu lui plais. Non, là, vraiment, je crois que tu exagères un petit peu, Jamila. Tu crois vraiment? Eh bien, on n'a qu'à y aller à sa fête, pour qu'elle voie qu'on est en couple. Je n'aime pas ça. J'aime pas quand t'es comme ça. Mais d'un autre côté, j'aime bien quand t'es un petit peu jalouse. Ouais. Tu fais quoi? Je me tire d'ici. Pourquoi? J'aime pas cet endroit. C'est juste ça. Kamal! Kamal! Je sais que c'est de ma faute. Excuse-moi. Tout ça, c'est de ta faute! Tout ça, c'est de ta faute! Rien à voir avec toi. Je n'ai pas du tout envie que tu partes. J'aime pas cet endroit. Et puis, tu sais, après 4 ans entouré de murs gris, il y a trop de verre pour moi ici. J'ai pas l'habitude, tu vois. Mais tu t'y habitueras. Allez, viens, je te paye un verre. La prochaine fois. À plus tard. Kamal! T'as besoin d'argent? Non. C'est à cause du mensonge. Mais pourquoi il se vexe? Tu ne vas pas dire à tout le monde qu'il était en prison, quand même. Là, c'est la réserve. Tu ne crois pas que je vais t'attendre là-dedans, non? Très bien. Tu peux attendre au café, alors. Karim, viens avec moi. Je vais lui montrer comment on joue au golf. J'arrive tout de suite. Ok, ça va, tu peux y aller. Je suis désolé. C'est pas grave. T'as qu'à commander ce que tu voudras. Je t'ai dit que c'était pas grave. Comme tu peux le voir, il faut que ce soit comme ça. Et là, donc, je me disais qu'on pouvait peut-être mettre des fleurs. Je vois bien des fleurs blanches en centre de table. Des fleurs blanches, si tu veux. Je vais appeler le fleuriste à Istanbul. Bonjour. D'abord, on se parlait de moins en moins au téléphone. C'était des appels brefs, de longs silences. Puis elle a commencé à plus répondre à mes appels.
Je réalisais pas ce qui se passait au début. Moi, j'avais encore l'espoir de revenir et de tout réparer. Je l'aimais. Et je voulais que ça s'arrange. Je l'aimais, j'aurais fait n'importe quoi pour la récupérer, Kamal. Je te jure qu'elle pouvait me demander n'importe quoi. J'étais vraiment désespéré. Et le jour où je suis allé là-bas, j'ai appris qu'elle m'avait remplacé par un autre homme. J'ai dit à tout le monde que je l'avais quitté. Je pouvais pas dire ça. C'est à cette période que tu m'as vraiment manqué. Je suis même allé te voir en prison. Mais tu étais puni. Ils m'ont pas laissé te rendre visite. Ton père m'a dit de ne plus venir, que ça ne te servait à rien. J'aurais bien aimé pourtant. Je suppose que tu ne les voyais pas beaucoup eux non plus. Au début, ils venaient me voir au parloir. Mais à chaque fois, ma mère pleurait. Et mon père se fâchait. Alors je leur ai demandé d'arrêter de me rendre visite. C'était mieux comme ça pour tous. Je voulais pas leur faire du mal. Et j'aimais pas les voir comme ça. Tu sais, j'étais très en colère contre moi. Tout était de ma faute. Tout ça parce que j'étais parti plus tôt. Peut-être que j'aurais conduit et pas toi. Et comme ça, il y aurait peut-être pas eu d'accident. Et aujourd'hui, cet homme serait encore en vie. Qu'est-ce qui m'a pris de partir? Je m'en veux tellement, Kamal. Peut-être. Peut-être que... si j'avais été là, ce ne serait pas arrivé, ça me tue. Si ce n'est pas la bonne taille, vous pourrez les changer. Non, c'est bon, ça ira. Merci. C'est pour votre petite amie, je parie. En fait, je vais lui demander si elle veut l'être. Ah, c'est super. Allô, comment ça va? Bien, en train de réviser. Encore? Tu n'as pas fini, l'examen, c'est demain. Je sais, c'est pour ça que je révise. Si tu veux un bon conseil, tu devrais sortir un peu. Ton cerveau a besoin d'air frais pour être performant. Ça, ce n'est pas pour moi, mais pour les gens qui travaillent dur comme ton frère. C'est bon, ok, c'est bon, bref. Toi aussi, ça te ferait du bien de t'aérer un peu. Je suis sûr que tu as envie de te dégourdir les jambes. Je suis dans le jardin, je crois que ça suffit pour aérer mon cerveau. Tu veux dire... que tu es à la maison? C'est ça. Ok, je te laisse alors. Ok. Bye. Bonjour madame, comment ça va? Ça va bien. Je veux acheter celui-là, mais je n'ai pas d'argent. Alors ne l'achète pas. Non, mais je te le paye demain, s'il te plaît. Pas question. Va-t'en. Allez. S'il te plaît, elles sont pour ma mère. Elle est très malade. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Un avortement. Une sale histoire. Tu te moques de moi? Elle... Promis, juré, je te paye demain. Si tu ne me payes pas, j'irai le dire à ton père. Tu m'as entendu? Vaut rien.
normal. Kamal, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es venu ici? Je... Je suis venu... Te dire... Bonne chance. Karim est venu pour ça aussi. On était en train de réviser pour l'examen. C'est ça. Pourquoi... Tu as l'air ahuri? Vous êtes ensemble. Vous êtes... Vous êtes ensemble. Tu ne l'avais pas dit à Kamal? Tu me l'as pas dit. Je sais pas, je pensais que tu le savais déjà, que c'était pas la peine. Non. Je savais pas. En fait, tout le monde le sait maintenant, ce n'est pas un secret. Bon, moi je dois y aller. Vous continuez de réviser votre examen. Non, mais tu peux rester. À plus tard. Ok, on reprend ici. Kamal, enfin, te voilà. Où est-ce que tu viens? Pourquoi tu ne réponds pas? Kamal, viens ici tout de suite. Je t'ai dit de venir. Kamal, où est-ce que tu étais passé? Est-ce que tu t'es encore battu avec quelqu'un? Ton père t'attend depuis ce matin. Mais enfin, réponds-moi. Le photographe est venu ici. Il a dit que tu ne l'avais pas remboursé. Il était très en colère. Pourquoi tu ne l'as pas payé, Kamal? Que se passe-t-il? Où est-il? Ne crie pas. Je crois qu'il a un problème. Reste en dehors de ça. Samy, s'il te plaît, n'y va pas. Je t'ai dit de rester en dehors de ça. Samy... Alors quoi? Avec qui tu t'es battu, hein? Samy! Encore? Je me suis battu avec personne. Samy, je t'en prie. Dis-moi la vérité. Samy. Dis-moi la vérité. Je te dis la vérité, papa. Alors lâche-moi, alors, s'il te plaît. Pourquoi tu n'as pas remboursé ce type, dis-moi? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent de l'appareil? Réponds-moi. Dis la vérité. Tu as fait quoi de cet argent? Je n'ai rien fait de mal, alors laisse-moi, papa, s'il te plaît, laisse-moi. Je suis ton père. Je te dis que j'ai rien. Je t'interdis de me parler comme ça. Chérie, j'entends. Ne fais pas ça, je t'en prie. Tu ne partiras pas d'ici. Arrête, tant que tu ne m'auras pas dit ce que tu as fait de cet argent. Tu m'entends? Tu ne partiras pas tant que tu ne m'auras pas dit la vérité. Lâche-moi. Est-ce que tu as compris? Ça ne vaut rien. Papa. Tu ne fais que traîner toute la journée. Tu ne sortiras pas. Moi, je travaillais comme un chien à ton âge. Samy, et toi, regarde-toi. Je t'en prie, arrête. Reviens ici. Reviens ici, j'ai dit, Kamal. Les autres enfants, moi, ils aident leur père. Toi, tu ne donnes jamais un coup de main à la pâtisserie. Samy. Tu n'es qu'un espèce de pont à rien. Et tu ne feras jamais rien de ta vie si tu continues. Viens ici. Non, mais tu peux écouter quand je te parle, Kamal. Samy, laisse-le partir. Non, mais tu vas me ficher la paix. Tenir. Kamal,
Tu vas me dire où est cet argent? Je le rembourserai, papa, demain. Laisse-moi partir maintenant, laisse-moi. Tu n'iras nulle part. Non. Si tu veux sortir, tu vas d'abord nettoyer toute la boutique de fond en comble. Je veux sortir maintenant, papa. Pas ce soir. Tu vas m'obéir. Je suis ton père. Stop. Ne t'en mêle pas, je t'ai dit. Ne la touche pas. Samy! Samy! Kamal! 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 Kamal, pas si vite, va doucement. Lâche-moi la grappe. Dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi tu me poses la question? Hein? Et puis au fait, ça te regarde? Mais t'as l'air complètement bouleversé. Ça va? Maintenant, ça suffit, t'as pas l'air bien. Je t'en prie, parle-moi. Hein? Tu peux t'en aller si tu veux. Va. Ça suffit, viens. Lâche-moi. Va-t'en. Je t'ai rien demandé. Maintenant, tu me laisses et tu t'en vas. Ton frère est là. Vraiment mis un coup de poing à papa? Quoi? Comment tu peux faire une chose pareille, Kamal? Hé, Kamal, je te parle! Il a frappé maman, encore. Je l'avais déjà prévenu. Je lui avais dit de plus toucher à maman. Je l'avais prévenu. Il le méritait. Je vous laisse tous les deux. Allez, à bientôt. Prends soin de lui. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu n'arrives pas à te contrôler? C'est quoi ton problème exactement? Parle-moi, Kamal, s'il te plaît. Parle-moi. Est-ce que je vais devoir te surveiller tout le temps? J'ai un examen demain, je te le rappelle. Mais je peux pas réviser à cause de toi. Attends un peu, est-ce que tu l'as pris dans mon tiroir? Kamal! Bonne soirée, au revoir! Kamal! Attends,
T'as besoin d'un psy, là. Laisse-moi tranquille. Attends. Tu conduis pas dans cet état. Lâche-moi. T'es complètement saoul. Donne-moi les clés. Laisse-moi conduire cette voiture. Allez, monte. Allez. Fallait que tu fasses ça. Justement ce soir. Juste la veille d'un examen, très important, hein? Ça fait des années que je le prépare. Toute ma vie va se jouer demain à cette épreuve. Franchement, t'as pas le droit d'être aussi égoïste et de me faire ça ce soir, tu m'entends ou quoi? Mais réponds au moins. Pourquoi est-ce qu'il faut tout le temps que tu me gâches la vie? Ça suffit maintenant. Je sais pas ce qui t'a pris de frapper papa. Il a frappé maman. Mais c'était pas la première fois! Mais je voulais que ce soit la dernière. Et est-ce que t'as pensé à ce qui va se passer maintenant? Hein? Est-ce que tu y as pensé? Je me fiche de ce qui va se passer. Ah oui? Et comment tu vas rattraper ça? Peut-être que moi, j'ai pas envie de rattraper ça! Comment tu peux dire ça? J'en ai marre de ton attitude! C'est toujours la même chose! T'es qu'un imbécile et c'est de pire en pire! Vas-y, frappe, vas-y, frappe-moi aussi! Allez, vas-y! Vas-y, mais vas-y, frappe-moi! Mais qu'est-ce que t'attends? Allez, frappe, Kamal! Frappe! Mais vas-y! Allez! Il est mort. Il est mort. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Tu entends ce que je te dis? Il est mort. Il est mort et tout ça c'est de ta faute. Oh, c'est pas vrai. La vie est pleine de surprises. Tu te réveilles un matin, tu ouvres les yeux et tu te rends compte que tout a changé. Et t'arrives pas à croire ce qui est en train de t'arriver. Une seule petite chose peut changer ta vie complètement. Cette petite chose pour toi est peut-être une chose énorme pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être la chose la plus terrible dans sa vie. Ou la chose la plus triste. Ou la plus incroyable. Tu peux jamais savoir. C'est la vie. Et on en apprend tous les jours. Écoute-nous, on se met à parler comme des papis. J'essayais de te remonter le moral, mais regarde-nous. La nuit est longue. On a le temps. À ton retour parmi nous. Merci, mon ami. Je suis chez Karim, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Je t'avais demandé d'arrêter de fréquenter ces gens-là. Ils vont tous bien. Karim était en train de m'attendre, alors je suis partie avant que tu ne rentres. C'est une plaisanterie ou quoi? Je me contrefiche de savoir comment vont ces gens. On va sortir,
dans un club ce soir après dîner. Une amie de Karim fête son anniversaire et elle nous a invités. Je ne suis pas au courant. Je te l'ai dit, mais t'as dû oublier. T'inquiète pas, Karim me ramènera. Jamila, tu perds ton temps avec ce type. Ok, maman, à tout à l'heure. Arrête tout de suite de jouer à ce jeu-là. Bien sûr, je leur passe le bonjour. Tu perds rien pour attendre. On va avoir une petite discussion. Je t'aime aussi, maman. Bonne soirée à toi. Salut. Ma mère vous passe le bonjour. Merci. Allez, assieds-toi. On va commencer. Tout a l'air délicieux, madame. Bon appétit. Et cette fête, elle a lieu où? Dans un club. C'est un endroit vraiment très classe de la ville. Ne gâche pas tout ton argent dans cette fête. Ça n'arrivera pas, papa. On est invité. Et tu vas devoir aider ton frère aussi. Il aura besoin de toi un certain temps. Je suis sûre que tu le soutiendras. Il va m'aider à la boutique. Ce bon à rien n'a pas de travail. Il sera mieux à travailler avec moi qu'à traîner toute la journée. Kamal n'est pas là? Eh bien non. Je ne sais pas où il est. Il doit sûrement être en train de retrouver ses amis. Si tu veux, papa, je peux aller le chercher. Assieds-toi, Karim. Laisse-le passer un peu de temps tout seul. Ça nous permet de dîner en paix.